Démarrage d'émission. Bonjour à tous, bienvenue aux Cordées de la Réussite 2021. Si vous ne connaissez pas les Cordées de la Réussite, je vous propose tout de suite une petite vidéo de présentation. C'est parti. Est-ce que vous avez une idée là, parmi les quatre propositions Je sais pas. C'est compliqué quand on ne sait pas, parce qu'il faut deviner du coup. Alors les Cordées de la Réussite, c'est un dispositif national qui permet d'accompagner des jeunes de quartiers prioritaires de la ville. Donc il y a des partenariats entre des établissements et d'autres lycées. Donc on peut faire de l'ouverture culturelle et scientifique, de l'orientation et aussi des sorties culturelles. Ça consiste donc en des séances d'à peu près 2 heures chaque semaine. On va essayer de proposer des activités pour faire quelque chose d'assez interactif, ludique, en plus des moments où on va être un peu plus explicatif pour essayer de transmettre des connaissances. Moi, je ne regarde pas beaucoup les infos, donc du coup, ça me permet d'être un peu à jour. J'ai appris beaucoup de choses depuis le début de l'année. Donc par exemple, aujourd'hui, on va faire une séance sur le thème des lois. L'idée, c'est de les ouvrir à ce thème-là, d'organiser des débats et des activités dans lesquelles ils peuvent prendre confiance en eux, prendre la parole, et aussi leur présenter des métiers pour les accompagner dans leur orientation. Que ce soit dans la littérature, dans la culture, dans le commerce, dans les sciences, enfin, il y a vraiment tout et ça peut vraiment nous aider pour la suite de nos études. Par exemple, ce week-end, on a une conférence où on va pouvoir voir en visio, je crois, des personnes de métiers. Et je sais que par exemple, il y a des choses sur le commerce. À la fin de l'année, je dois quand même choisir mes spécialités. Et je voudrais savoir quel domaine ne m'intéresse pas et quel domaine m'intéresse. Comme ça, c'est sûr que j'ai un a priori assez fiable. Donc c'est l'occasion pour eux de nous poser des questions sur nous, notre parcours, et puis nous-mêmes de les interroger pour voir ce qui les intéresse, les conseiller. Vu que c'est pas des professeurs, ils peuvent un peu nous parler un peu plus librement. Donc c'est vrai que c'est plus chaleureux et ça donne plus envie de venir. Bah après, les étudiants, ils nous comprennent peut-être un peu mieux. Et eux-mêmes sont aux études post-bac, donc ils savent maintenant ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont ressenti récemment. Donc pour moi, oui, c'est vraiment un avantage. Alors ça fait 1 an et demi que je suis tutrice à OSE. Et ça m'a apporté surtout d'abord des rencontres avec des gens que j'aurais pas forcément rencontrés par ailleurs. Et également, ça m'a permis de prendre des responsabilités, d'apprendre à faire de la pédagogie, à accompagner des jeunes et au sein de l'association, en tant que présidente, à me responsabiliser énormément pour coordonner tout le programme. Je pense que la chose la plus importante qu'on a envie de transmettre, c'est l'envie. L'envie de découvrir des choses, l'envie d'essayer. Et c'est vraiment le cœur de notre action. C'est cette idée d'avoir l'envie et d'essayer. Voilà, comme vous le savez tous, hein, nous sommes actuellement dans une situation particulière et l'université a décidé de s'adapter et proposer une web TV. Et nous sommes en duplex avec des lycéens, le lycée Trois Bassins. Je veux voir des mains en l'air avec le lycée Trois Bassins. Est-ce que vous m'entendez, le lycée Trois Bassins? Je veux voir les mains en l'air. Il n'y a personne qui m'entend. Ah, il y a des gens au fond. Il n'y a que les gens au fond qui sont sérieux. Voilà, super. Après, on a avec nous le lycée Lillet-Geoffroy de Saint-Denis. Les mains en l'air, ouais, derrière là-bas, super, top. Après, on a avec nous aussi le lycée Marie Curie de Sainte-Anne. Ah, ils sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup. Salut, vous êtes venus dans la même voiture, c'est ça? C'est cool. Voilà, donc on va vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette émission. Alors, on va tout d'abord accueillir dans cette matinée des invités institutionnels. Nous allons ensuite vous présenter une vidéo de l'université qui va vous faire découvrir un petit peu tous les recoins et les bâtiments de l'université. Et ensuite, nous allons partager un moment avec des témoins, des anciens élèves avec qui vous pourrez échanger. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Alors, pour cette première partie, nous accueillons Madame Anguet Katia. Bonjour. Bonjour. Et aussi Madame Pierotti Martine, qui est avec nous en visio. Est-ce que vous nous voyez? Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Bonjour.
Très bien, merci. Super, super. Alors, bon, moi, je vais vous poser quelques petites questions, justement, pour les élèves qui nous regardent. Alors, ma première question vient à Madame Anguet. Pourquoi sommes-nous présents à cette Web TV aujourd'hui ? Alors, nous sommes présents à cette Web TV aujourd'hui dans le cadre du dispositif des cordées de la réussite. Donc, comme l'indique l'image de la cordée, il s'agit essentiellement de souligner les valeurs de solidarité, d'entraide et de partage, finalement. Alors, évidemment, avec la crise sanitaire, comme vous l'avez précisé, il a fallu s'adapter, mais c'est déjà bien mieux que l'an passé où nous n'avons pas pu faire cet événement du fait du confinement. Donc, nous avons l'occasion cette année de participer à ce dispositif est un dispositif qui vise à enlever les freins qui pourraient bloquer les jeunes, qui pourraient les brider dans leur ambition, qui pourraient être d'ordre, des freins qui pourraient être d'ordre culturel, psychologique, social, et qui ferait qu'ils verraient l'université comme quelque chose d'inaccessible. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'éviter ce phénomène d'autocensure avec le dispositif des cordées de la réussite. Donc, dans le cadre de ce dispositif, on est amené donc à mettre en place un certain nombre d'actions, d'accompagnement, qui vont permettre d'accompagner des jeunes dans le continuum allant de la quatrième jusqu'à l'enseignement supérieur, en passant par les lycées et en insistant tout particulièrement sur les phases de transition collège-lycée, lycée-université. Alors, le dispositif des cordées, il repose sur un partenariat, hein, comme le principe de la cordée montagnarde. Ce partenariat, il unit une tête de cordée, puisque sans tête de cordée, on n'a pas d'ascension sociale, ici, s'entend. Donc la tête de cordée, c'est en général un établissement d'enseignement supérieur. En l'espèce, c'est l'Université de la Réunion qui est tête de cordée pour la Réunion. Et il y a un ensemble d'établissements qui sont dits en cordée, et ces établissements sont des collèges. En l'occurrence, dans notre cordée, nous avons 11 collèges et des lycées de la voie générale, technologique ou professionnelle. Et en l'espèce, on a 7 lycées qui sont encordés avec nous cette année. Voilà. D'accord, ben merci beaucoup. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, vous voulez tirer les élèves vers le haut. C'est exactement ça. Tout à fait. Voilà, donc ils sont bien tenus avec des bons mousquetons, des bonnes cordes. Et tout voilà. À fait, ils ne pourront pas tomber. Ah ben voilà, en tout cas, vous l'avez bien entendu, les enfants, là, les enfants, on a peut-être 18 ans dedans, mais pas grave. Vous avez entendu ou pas ? Levez les mains, on lève les mains si on a entendu, hein. D'accord ? Attention, hein. Voilà, maintenant on va passer la parole à Madame Pierotti. Alors Madame Pierotti, les cordées de la réussite est un événement national, et pourquoi est-il important ici à La Réunion ? Oui, alors merci monsieur de me laisser la parole. Donc je vais compléter ce que dit ma collègue de l'université. Déjà, je voudrais féliciter l'initiative de l'université et l'implication des établissements encordés qui sont présents. Hein. Donc croire en soi et réussir à La Réunion, c'est la première cordée qui a été mise en place au niveau de notre académie. Et vraiment, donc, il date de 2010. Hein, et donc, vraiment, je tiens à remercier cette belle initiative de l'université. Au niveau, donc, qui rassemble quand même 23 établissements, 27 tuteurs et 850 élèves. Au niveau académique, on a effectivement 6 autres cordées, hein, Ambition Réussite pour la filière pro à Paul Moreau, Futur Ingénieur à Amiral Bouvet, Avenir Ingénieur dans le Bassin Nord à Lille et Geoffroy, l'INSA donc dans le Bassin Est et En Route pour les grandes écoles de management à Belle-Pierre. Et un petit nouveau qui va arriver à Jean Inglot sur les métiers créatifs et métiers d'avenir. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau académique, ça prend des proportions importantes. On était en fin d'année dernière à 1570 élèves, on est à l'heure d'aujourd'hui à 2520 bénéficiaires et on souhaite monter jusqu'à 3020 élèves. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu dans cette académie, c'est-à-dire que les parcours d'excellence doivent bénéficier au maximum d'élèves et en priorité à nos élèves de collège en REP plus et en REP. Donc, nous allons faire de nouveau des projets pour des collèges qui ne se sont pas encore encordés, hein, REP plus et REP, effectivement, pour qu'effectivement donner plus confiance à nos jeunes pour mettre en place des parcours d'excellence. Et les témoignages, je voudrais souligner le témoignage qu'on a eu en tout début là, de réunion avec ses tuteurs hein, qui étaient présents et qui disaient « j'ai envie de donner l'envie d'essayer ».
Eh ben, c'est ça, les cordées. C'est donner l'envie d'essayer. L'envie d'oser, oser essayer. Et grâce au travail du partenariat avec l'université, vraiment, on arrive à construire ces parcours d'excellence par des témoignages et puis par cet accompagnement de proximité avec les tuteurs. Je vous remercie. Madame Pierotti, donc en fait, voilà, c'est l'envie de réussir, quoi. C'est un peu comme la chanson, l'envie d'aimer. Il ne faut jamais lâcher, c'est ça? Voilà. Oh, hein. Oui, oser, mais oser pourquoi? Pour reprendre le terme de ma collègue de l'université, l'autocensure. L'autocensure est très importante, c'est-à-dire qu'à résultat égal, vous avez des élèves issus de certaines familles qui n'oseront pas faire les mêmes projets que ceux issus de catégories socioprofessionnelles aisées. Donc, en rencontrant des pairs, PAIRS, eh ben, ça permet d'oser et du coup de se réaliser et d'entreprendre un parcours d'excellence. Merci beaucoup, Madame Pierotti. Maintenant, je vais passer la parole à Madame Anguet. Là, c'est une très, très longue question, d'accord? Donc, il faut se concentrer parce que ça va être très long. Alors, la direction de l'orientation des formations et des insertions professionnelles, la DOFIP, porte ce projet de cordée de la réussite. Comment, avec la crise sanitaire, on fait pour intéresser les jeunes à ces questions d'orientation sans pouvoir les voir de visu? Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, la crise sanitaire pose des difficultés absolument énormes et surtout en termes de communication et considérablement voilà, dans la période de confinement où le distanciel est majoritaire, etc. On a vraiment du mal à toucher les jeunes et à pouvoir leur parler. Or, la communication est vraiment essentielle, surtout sur des sujets aussi sensibles que l'orientation et l'information des jeunes qui sont en pleine construction de leur parcours professionnel et personnel. Et c'est vrai que donc, il a fallu nous adapter. Il a fallu que la DOFIP s'adapte. Donc, nous l'avons déjà fait dans le cadre des journées portes ouvertes qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps, où nous avions proposé effectivement une journée porte ouverte en distanciel complètement. Et aujourd'hui, pour toucher les jeunes, nous avons effectivement choisi ce format de la Web TV qui nous permet de conserver un lien, de venir directement vers les jeunes qui ne peuvent venir à nous à cause des conditions sanitaires et des contraintes liées aux jauges maximales pour recevoir du public. Ça nous permet de les toucher, on espère, un petit peu plus de façon proche et conviviale, cette Web TV, et notamment parce qu'aujourd'hui même, en ce moment même que nous parlons, nous avons des étudiants de l'université qui sont présents dans les lycées en cordée, qui ont accepté de participer à cette initiative et qui nous permettent de maintenir ce lien si important en ce moment avec eux et qui nous permettent d'essayer de leur transmettre cette information et de leur transmettre les outils nécessaires à enlever les freins qui pourraient les bloquer. Alors, la Web TV nous permet également d'être en duplex avec ces lycées que nous remercions ici largement pour leur participation. Merci beaucoup. Et justement, ces étudiants, on peut le citer, c'est Eliska, Pauline et Aïcha. Faites-nous coucou. Vous êtes où? Elles sont cachées. C'est pas normal, ça. Hein. Moi, je veux les voir. Hein. Vous êtes où, là? Oh! je vois. Il y a quelqu'un qui lève son bras. Calme-toi. Je ne sais pas c'est qui, mais calme-toi. Elle a failli... Non, arrête. Calme-toi. Alors, en tout cas, on vous remercie. On vous remercie pour votre intervention. Merci à Madame Pierotti. Et maintenant, on va voir une vidéo qui va... S'il vous plaît. Je voudrais remercier l'implication des établissements scolaires ici présents de s'être mobilisés. Je pense à Geoffroy. Je pense à... Il y avait qui ? Il y avait Geoffroy. Il y a Marie Curie. Trois bassins. Vraiment merci pour votre mobilisation. Voilà, merci beaucoup. Ben merci à vous. Et maintenant, justement, on vous remercie. On va voir la vidéo de présentation de l'université. C'est parti. Bienvenue à l'Université de la Réunion. Créée en 1982, l'Université de la Réunion est la seule université française et européenne de l'India-Océanie. Chaque année, elle accueille 18 000 étudiants sur 6 sites et campus et leur offre un éventail de plus de 200 formations de qualité. Ces formations sont adossées aux 22 laboratoires de l'Université de La Réunion, ce qui représente la première force de recherche du territoire. L'établissement est dirigé par un président, accompagné d'une équipe présidentielle qui comprend un président du conseil académique, des vice-présidents, un vice-président en charge de la vie étudiante et des chargés de mission.
Au nord de l'île, l'université est implantée sur le campus du Moufia et les sites de la Technopole, de Belle-Pierre et de la Victoire. Au sud, les étudiants sont accueillis sur le campus de Terre-Sainte à Saint-Pierre et sur le campus du Tampon. Plusieurs facultés sont présentes sur le campus du Moufia. La faculté de droit et économie propose des cursus en droit et en économie, mais également en administration publique ou en gestion, et des classes préparatoires aux grandes écoles. La faculté des lettres et sciences humaines offre des diplômes en lettres, en anglais, allemand, espagnol, langue étrangère appliquée, histoire, géographie, information et communication et sciences sociales. La faculté des sciences et technologies vous accueille pour les formations en énergétique électronique automatique, chimie, mathématiques, sciences du vivant, informatique, physique ou dans les géosciences. Le campus du Moufia héberge deux bibliothèques spécialisées en droit, lettres et océan Indien et en sciences. La cafétéria, le restaurant universitaire, les résidences universitaires et le théâtre Vladimir Canter sont gérés par le CROUS. Ce campus dispose également d'un gymnase et de nombreuses activités culturelles. Sur le campus du Tampon, vert et piéton, vous retrouverez la faculté des sciences de l'homme et de l'environnement qui dispense des enseignements sur le fonctionnement du corps humain et en génie civil. Les filières STAPS, gestion de l'environnement, urbanisme et transition énergétique sont également proposées par cette composante. Le campus universitaire de Terre-Sainte héberge l'Institut universitaire de technologie de la Réunion, UIT, et l'École supérieure d'ingénieurs Réunion Océan Indien, les Irois. L'IUT propose des bachelors universitaires de technologie, des licences professionnelles et des formations pour les professionnels en carrière sociale, génie civil, gestion des entreprises, mais aussi en génie biologique. 50% des enseignements se déroulent en situation professionnelle. L'École supérieure d'ingénieurs Réunion Océan Indien propose des formations accessibles dès le bac en cycle préparatoire intégré durant 2 ans. Ensuite, vous poursuivez sur une 3e année de licence en agroalimentaire, bâtiment et énergie ou informatique et télécommunications. Prochainement, l'essentiel des filières de l'UFR Santé seront regroupées sur le campus de Terre-Sainte. Cette faculté organise l'accès aux filières universitaires de santé par les 4 options de concours. Médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, du parcours d'accès spécifique santé. Les LAS sont toutes les licences proposant une option accès santé. Elles constituent la grande originalité de la réforme 2020 puisqu'elles ouvrent l'accès aux études de santé à des étudiants issus de licences non médicales. Le site de la Victoire héberge l'IAE. C'est 550 étudiants chaque année, 91% d'insertion professionnelle après 2 mois, intégration avec un bac plus 2 dans des secteurs tels que la comptabilité, le marketing, le tourisme ou encore les ressources humaines. Le site de Belle-Pierre héberge l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Dans un cadre attrayant, les étudiants se forment au professorat et au métier de l'éducation. Cafétéria, piscine et bibliothèque sont à disposition des étudiants. L'université dispose également d'un service d'orientation et d'insertion professionnelle, situé sur les campus nord et sud. Le service reçoit des étudiants pour des conseils en orientation, des tests de positionnement, des aides à la rédaction de CV et de lettres de motivation ou encore à la formulation des vœux Parcoursup. Plus d'informations, connectez-vous au site univ-réunion.fr. En tout cas, moi, avec cette vidéo, ça me donne envie de m'inscrire. Je ne connais pas Pouzot, mais en tout cas. Donc voilà, on a accueilli sur le plateau avec nous Madame Olivia Morel, consultante en chef de projet marketing digital. Monsieur Bouran Steve, pardon, chargé de recherche, chercheur à l'INSERM. Ensuite, en visio, nous avons avec nous Guillaume Savini, chargé d'affaires en gestion privée chez Caisse d'Épargne. Et Stéphanie Valincourt, directrice d'enseigne chez Weldom. Donc moi, je vais vous donner la parole pour vous présenter. Donc on va commencer par Madame Stéphanie Valincourt. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Oui, bonjour. Est-ce que je suis bien audible? On m'entend bien? On vous entend très très bien. Très bien, ok, ça marche. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Déjà, vous dire que je suis, c'est une première pour moi, et je suis vraiment ravie d'être, de partager cette matinée académique dans le cadre des Cordées de la Réussite avec, avec vous tous. Du coup, on m'a demandé effectivement de partager mon expérience et très sincèrement, laquelle j'espère, en tout cas, encouragera certains étudiants ou étudiantes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, je suis directrice d'enseigne donc des magasins Weldom à La Réunion pour le groupe Ravat. Pour mon parcours, je suis titulaire en fait d'un bac scientifique, option maths, où j'ai passé au lycée Antoine Roussin. Et titulaire d'un DUG économie gestion à l'université de La Réunion. Alors, je fais juste une petite parenthèse au moment où j'ai passé mon bac et la transition qui s'est faite entre le lycée et l'université. Il faut savoir que quand à 17-18 ans, quand j'ai passé mon bac, je n'avais vraiment pas d'idée sur mon évolution professionnelle. Quand on me posait la question à l'époque, quel métier je voulais faire ou quelle orientation, objectivement, je ne savais pas. Donc du coup, mon choix qui s'est porté sur l'université, c'est fait naturellement par une trajectoire familiale. Pourquoi ? Parce que j'avais mes frères, j'avais mes cousins et cousines qui étaient à la fac. Donc, je me suis dit, allez, je suis cette trajectoire familiale, je vais m'inscrire à l'université de La Réunion. Et donc, j'ai passé 3 ans. J'ai pris… Alors, ce que je savais toutefois, je savais que j'avais ce qu'on appelle de l'appétence ou de l'affinité pour certaines matières, l'économie, la gestion. Et donc, j'ai quand même orienté mon choix vers cette filière qui m'était quand même… qui me plaisait. Et donc, j'ai passé 3 ans. Alors, arrivé à la licence, petite anecdote là aussi, ce que j'appelle une année un peu charnière dans mon évolution future… déjà, je commençais un petit peu à imaginer un projet de mobilité. C'est-à-dire que je me disais à 20 ans, bah tiens, j'aimerais bien voir ce qui se passe un petit peu au-delà de notre petit caillou et en l'occurrence en métropole. Et puis, j'avais noté une chose qui était assez aussi intéressante. Donc, j'étais en licence, donc formation purement théorique. Je commençais à me renseigner un petit peu sur les annonces d'emploi parce que, en toute pareil, toute transparence, ce qui était sûr, c'est que je voulais continuer mes études jusqu'au bac plus 5. Et en même temps, je voulais bien gagner ma vie. Voilà, je dis clairement les choses. Je viens pas d'une famille hyper aisée. Maintenant, ma trajectoire, je savais, c'était comme ça. Et donc, j'arrive, je commence à consulter un peu les annonces d'emploi et je vois en fait un petit souci dans le sens où on me demandait bac plus 5 avec une formation en même temps professionnelle. Bon, bah, je dis, attends, si je poursuis mes études au niveau de l'université, ce qui va me manquer en parallèle, c'est expérience professionnelle. Donc, du coup, arrivé en licence, je décide en fait de partir en métropole, donc de jouer le jeu de la mobilité, et puis aussi de goûter au parcours de l'alternance. Donc, j'arrive à Paris, je m'inscris dans une école qui s'appelle l'Institut supérieur interprofessionnel de formation en alternance, donc l'ISIFA, où je prépare pendant une année, l'équivalent d'une licence là encore, un diplôme européen d'études supérieures en marketing. Alors, petit bémol, c'est une formation qui était à l'époque qualifiante et non diplômante. Du coup, cette formation, elle était juste top. Pourquoi ? La petite anecdote là aussi, vous allez comprendre, c'est que dans le cadre de cette préparation de diplôme, j'ai dû donc trouver une entreprise. Cette entreprise, c'était une petite start-up parisienne. Cette start-up qui proposait à l'époque des solutions de e-learning à destination des professionnels, il y a 20 ans. Et donc, c'était la société Logicon. Et donc, on travaillait avec des sociétés comme Société Paribas, comme des banques. On avait aussi Renault. Et donc, c'était ces solutions finalement. C'est pour ça que je parle de ça, parce que c'est un sujet qui est très contemporain. Hein, on parlait de l'enseignement à distance. Eh bien, il y a 20 ans de ça, moi, je travaillais sur ces projets, mais à destination des professionnels. Bref. Et donc, du coup, j'arrête toutefois ce diplôme et je renoue avec l'université. Et c'est là que ça va être intéressant parce que j'arrive sur l'université d'Évry, Val d'Essonne. Et là, l'université d'Évry, Val d'Essonne est en partenaire avec de grandes entreprises et le centre de formation en alternance. Et du coup, en parallèle, nous permet de passer un master 1 et un master 2. Du coup, j'intègre l'université d'Évry. En parallèle, j'intègre une autre société qui s'appelle Compass Group France, où effectivement le cursus se fait en parallèle. Je vous parle de Compass Group France, c'est le leader mondial de la restauration collective et concédée. C'est un groupe anglais. Je parle de ça pourquoi ? Puisque quand je suis arrivée,
énormément d'étudiants postulaient en fait pour cette entreprise parce que très prisée de renommée mondiale. Moi, petite étudiante réunionnaise de la rivière Saint-Louis qui débarque dans un entretien à Paris au siège social au boulevard Mazerne, je reprends les termes de Madame Perotti qui disait oser. Je crois ce qui m'a pourquoi ils m'ont retenue et pas d'autres, parce que j'avais osé, parce que j'étais audacieuse et parce que je savais ce que je voulais. Mon maître d'apprentissage me disait par la suite, effectivement, on t'avait choisi, pourquoi parmi tous ces étudiants? Parce qu'on a trouvé ton parcours très intéressant, encore une fois, de quitter ton petit caillou, de venir tenter ton expérience en métropole. Tu travailles énormément et donc, en ce sens, on a été quand même assez intéressés par ton profil. Je le dis parce que ça doit faire écho aussi à certains étudiants. Quand on veut, on peut. Il faut vraiment l'audace. On peut arriver là aussi. Je partage une expérience là encore. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai un peu développé un complexe d'infériorité par rapport aux autres parce que j'arrivais dans la grande capitale avec des étudiants de tout niveau. Du coup, j'ai pu me remettre en question en même temps. Mais j'étais vraiment drivée par ma motivation, ma détermination. Ça, c'est extrêmement important pour les étudiants. Quand on veut, il faut oser, il faut aller avec de l'audace. Et donc, c'était payant. Pourquoi? Parce que j'ai intégré effectivement cette société. J'y suis restée 7 ans. Hein. J'ai vraiment eu de grandes responsabilités très vite, puisque j'ai eu l'occasion de faire effectivement mon Master 1 en sciences de gestion et mon Master 2, où je me suis spécialisée en management international. Alors, c'était très intéressant là aussi en Master 2, parce que les 2 derniers mois d'études étaient prévus, donc on l'avait fait à New York, dans une université new-yorkaise. Pour vous donner aussi tout le parcours de l'université qui ouvre littéralement cette possibilité d'aller étudier aussi à l'étranger, et là, c'était une expérience juste fabuleuse. Et là, pareil, en toute transparence, les études, c'est du travail, mais c'est les plus belles années aussi d'une vie d'étudiant. C'est aussi la découverte d'amis. On fait la fête aussi. On a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup profité hein, quand j'étais étudiante. Et c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Et c'est ça que je veux aussi passer comme message, dans le sens où voilà, il faut oser. Il faut beaucoup travailler. Il faut avoir envie. Et du coup, vivre de belles expériences. Mais en tout cas, dès le moment où on a une ambition, il faut aller jusqu'au bout de son ambition. Donc, c'était vraiment mon parcours. Et donc, j'y suis restée. Alors, pareil, l'alternance, non seulement ça vous apporte cette expérience professionnelle, et en même temps, il faut dire ce qui est, vous avez aussi une rémunération. Donc, moi, c'était aussi une solution qui était conciliante parce que, encore une fois, je n'ai pas d'une famille très, très aisée. Il fallait aussi subvenir à mes besoins quand j'étais là-bas. Et donc, ça me permettait, en fait, d'avoir le bon deal. Je continue mes études. J'avais l'expérience professionnelle et en même temps, j'avais une rémunération. Donc, c'était vraiment très intéressant. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Je terminerai, mais je m'adresse là spécifiquement encore une fois aux étudiants et aux étudiantes qui nous écoutent. Cette génération Z, c'est-à-dire des digital natives, vous êtes une génération hyper connectée, vous êtes une génération en fait qui est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que juste une chose aussi, ne vous mettez pas une pression phénoménale sur le choix de vos métiers de demain. Pour une simple et bonne raison, les métiers que vous connaissez aujourd'hui, dans 5-10 ans, ne seront plus les mêmes. Vous savez, moi, j'ai 15 ans d'expérience dans le commerce. On le voit, l'arrivée d'Internet a littéralement façonné nos façons de façonner le commerce et du coup, on a dû s'adapter. Donc, les jeunes étudiants et étudiantes, n'oubliez pas une chose. C'est vous qui allez créer les métiers de demain. C'est vous qui allez les créer. C'est une vraie opportunité. Nous, on est cette génération, on était un petit peu suiveurs. Vous êtes à un carrefour, là, qui est extrêmement intéressant. Et donc, c'est ça que je veux vous dire aussi, c'est que ne vous mettez pas cette pression si vous n'avez pas encore de choix bien déterminés. En tout cas, vous allez être de vrais acteurs dans les métiers de demain. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais passer à l'ensemble de nos étudiants aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Valincourt. C'est très, très intéressant. On sent la passion. Moi, ce que je vous invite à faire, ce serait d'écrire un livre parce que c'est très, très intéressant ce que vous dites. Moi, je vous lance ça comme ça. Prenez, mais un petit livre, moi, je le lis et je pousserai les autres à le lire. Vous ferez une petite dédicace alors. Exactement, exactement. En tout cas, maintenant, on va donner la parole à Monsieur Guillaume Savigny. Monsieur Guillaume Savigny, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, bonjour, moi, c'est Guillaume Savigny. Donc, je pense être l'intervenant le plus jeune. J'ai 27 ans. Aujourd'hui, je suis chargé d'affaires en gestion privée. En clair, je conseille les personnes fortunées dans leur investissement, leur défiscalisation et le développement de leur patrimoine. J'ai eu un parcours assez atypique.
car j'ai quitté en fait le lycée, l'école vers 16 ans, où là j'ai enchaîné des petits postes de vendeur, l'accueil, j'ai fait aussi de la maçonnerie, et j'ai vu que j'avais du mal en fait à progresser dans le métier et aller sur des postes supérieurs. C'est là que, comme l'intervenante précédente, j'ai décidé de reprendre les études par le biais de l'alternance, où là j'ai fait le baccalauréat, le BTS et la licence professionnelle, que j'ai fait d'ailleurs à l'Université de La Réunion au sein de l'IAE, l'Institut d'administration et d'entreprise. Voilà, ce qui m'a permis d'intégrer ensuite successivement l'enseigne Lacoste, puis la BNP Paribas et aujourd'hui la Caisse d'Épargne. Maintenant que j'ai intégré la Caisse d'Épargne, j'ai pu ensuite passer mes diplômes de Master 1 et 2 de façon professionnelle financée par l'entreprise. Ce qui est intéressant à voir, c'est que les diplômes, en outre d'être un apport théorique qui nous semble parfois, hein, moi qui étais étudiant il y a 2 ans, un peu barbant, un peu too much, j'ai vu qu'en fait, en intégrant l'entreprise, cet environnement, cette culture théorique et technique qu'on acquiert nous permet de changer de poste plus facilement, d'évoluer, de montrer un avantage concurrentiel avec les autres salariés, etc., que l'on peut croiser. Et aussi, comme le disait l'intervenante précédente, aujourd'hui, on a tendance à changer de métier assez rapidement. Par exemple, dans ma petite carrière de 7 ans d'expérience, j'ai changé de métier 5 fois, juste à la banque 3 fois en 3 ans. Donc, le fait d'être généraliste, d'avoir des diplômes et d'avoir des connaissances variées nous permet de progresser et d'évoluer aussi dans cette conduite du changement permanente que l'on va rencontrer dans le monde de l'entreprise. Donc, voilà un peu le message, si j'en avais à apporter, c'est que les diplômes nous permettent de nous ouvrir d'autres portes que laquelle on se situe aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Savigny. En tout cas, si un jour, moi, les riches, évidemment, m'y vient, waouh, inquiète pas pour ça. Ouais. Alors, maintenant, on va passer la parole à Madame Olivia Morel. Je vous laisse vous présenter. Bonjour. Alors, moi, du coup, je suis Olivia, j'ai 31 ans. Je suis mariée, j'ai un petit garçon et je viens en fait de Saint-Philippe. Donc ça me faisait sourire tout à l'heure la rivière Saint-Louis, mais moi aussi du coup je viens du sud. J'ai fait mes études au lycée de Vincent Dau à Saint-Joseph où j'ai passé un bac S, spémat, en 2007. Et déjà à l'époque, quand j'ai choisi ma spécialité, on va dire, je ne savais pas trop quoi faire. Alors moi, le commerce m'intéressait déjà, mais j'étais plutôt bonne élève. Du coup, mes professeurs m'ont plutôt guidée vers un cursus scientifique en me disant que toutes les portes me seront ouvertes après. Donc, j'y suis allée, j'ai eu mon bac et l'année d'obtention de mon bac, on devait faire formuler ses vœux. Et moi, j'avais très peur de quitter La Réunion, mais vraiment très, très peur. Et puis, en plus, j'étais amoureuse. Alors, du coup, je voulais pas quitter mon chéri, vraiment. Et je me suis dit, OK, ben, je vais rester à La Réunion. Donc, naturellement, mon parcours de scientifique, je suis allée à l'université pour une licence de biologie. Et la licence de biologie, en fait, ne m'a pas du tout plu. Ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Et puis, j'avais toujours ce commerce, ce monde de l'entreprise qui m'appelait et j'avais envie vraiment d'y aller. Et donc, j'ai décidé de me réorienter. Donc, l'année d'après, je suis retournée au lycée pour un BTS. Et là, ça me convenait beaucoup mieux avec mon passé de bonne élève, où du coup, j'étais encadrée, etc. Donc, j'ai fait 2 très bonnes années, qui m'a aussi donné confiance en moi et qui m'a permis ensuite de retourner à l'université. Et le BTS, en fait, m'a permis de commencer à mettre le pied dans le monde professionnel avec des stages. Et je n'avais pas envie de retourner non plus à l'université sur les bancs de la fac, comme on dit, et à apprendre des choses théoriques pendant 1 an, 2 ans, voire plus. Et c'est là que j'ai découvert la licence professionnelle Activité technique de communication de l'université. Et ça m'a permis, en fait, en alternance, d'avoir ma licence professionnelle avec le cachet de l'université, où c'était vraiment un diplôme reconnu. Donc j'ai travaillé ensuite dans l'entreprise. Donc à la fin de ma licence, j'obtiens ma licence et en plus, j'obtiens mon premier CDI à La Réunion. J'ai fait 10 ans ensuite d'expérience professionnelle dans cette première entreprise. Ensuite, j'ai travaillé dans le groupe Antenne Réunion.
J'ai pu me former aussi, pareil, pendant mon cursus professionnel pour avoir un titre professionnel, pareil, niveau Master 1. Et donc voilà, après 10 ans, l'année dernière, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes, donc j'ai créé mon entreprise. Donc aujourd'hui, je suis consultante, donc j'aide des entreprises à La Réunion sur leur stratégie marketing. Et moi, j'ai vraiment envie aujourd'hui de faire grandir mon entreprise encore à La Réunion. Et si j'avais du coup un message pour les étudiants, c'est on peut effectivement avoir peur de quitter son île, d'avoir des raisons qui nous attachent, familiales ou amoureux. Alors pour l'anecdote, du coup, aujourd'hui, je suis mariée avec cette personne, donc j'ai plutôt fait un bon choix, je pense. Mais on peut aussi, réussir à La Réunion. Moi, j'aime bien dire que je suis un produit 100% pays. Et je suis fière de l'être aussi, même si c'est pas toujours facile. Alors comme disait aussi la première intervenante, c'est courageux de quitter son île, de partir, mais c'est aussi en restant ici, en faisant le choix de rester à La Réunion et de faire ses études à La Réunion, il faut aussi se battre pour se faire sa petite place dans le monde professionnel, pour dire voilà, même si on est à La Réunion, même si on a fait 100% de nos études à La Réunion, on a les compétences, on a été bien formés et on sait faire les choses surtout. Exactement. Voilà. 100% made in La Réunion. Incroyable. Hein, moi, j'ai envie d'applaudir. J'applaudis. Et vous pouvez applaudir aussi les lycéens, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nayek, elle l'applaudit là-bas, mais pas grave. Alors maintenant, on va passer la parole à Monsieur Steve Bourhan. On va vous laisser vous présenter. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Steve Bourhan, Missot Saint-André. Et donc, quartier Colosse. Quand t'es petit, mon papa avait une petite boutique Colosse là-bas. Et nous, les quatre mamans. Et pour l'anecdote, ma père, de mon moment relativement jeune, c'est des événements qui arrivent dans la vie. À 11 ans, j'étais en CM2. La fille m'a redoublé mon CM2 parce que j'étais bien un peu perturbé. Et après, collège. Elle a bien se passé, mais il était turbulent. Ça a plus joué souvent baby-foot, casse les cuits, que travailler. Mmh. Et ensuite, dans ce parcours, m'a pas arrivé au lycée. M'a bâti lycée Sade d'Agariga. Donc, collège, c'était collège Combuston. Je crois que c'est un des collèges encordés avec cet événement. Donc, m'y arrive au lycée dans le même continuum, je dirais. L'ambiance, camarades, casse les cuits. Donc, tu es plus turbulent. Après, pourquoi tu es turbulent, on ne m'y connaît pas. Donc, peut-être que c'est des événements qui arrivent dans la vie qui fait qu'on est comme ça. Et donc, m'y passe, arrive en terminale, m'y redouble mon bac, comme attendu, je dirais. Et la deuxième année, m'y repasse mon bac. Et pas pour ça, m'a gagné le premier tour, m'y qualifié au second tour. À l'oral, m'y gagne le bac avec 10 de moyenne. 10,00. 10-10, quoi. Dis donc, voilà, ben dis-moi, bon, prends le bac, allez où? Donc. Laisse-nous tranquille. Voilà, laisse-nous un peu tranquille. Et donc, tout ce parcours, c'est pas vraiment évident. Il avait des compétences. Chaque fois, le professeur dit oui, il a des possibilités, mais il n'est pas concentré. Voilà. Donc, Tipa, là, elle a fini par arriver, elle a gagné le bac parce que c'était un diplôme important pour le passage. Ensuite, elle a eu le choix. Qu'est-ce que ça fait après? Mon frère, une fois, elle demande à moi, elle m'a dit, quel métier vous faites? Il m'a dit, pêcheur, parce qu'il aime bien faire la pêche. Il aime bien faire la pêche golette. Il m'a dit, bon, si je pêche un jour, je vais gagner mon boucher manger. Après, il a dit, bon, il fait les écoles d'ingénieurs à Montpellier. Il a dit, ben, viens à Montpellier. Et comme moi, au lycée, j'aime bien la biologie. C'était la seule matière qui m'a gagné une bonne note, je dirais. M'avait gagné 13. En physique, m'avait gagné 4. Et en anglais, m'avait gagné 7. Mmh, très, très bien, quoi. Très bonne note. Du coup, il me dit, bon, mais ça suit les trucs qui passionnent à moi. C'est-à-dire que le professeur, un peu tes causes en biologie, t'explique comment il fonctionne le corps. Tout cela, mais t'écoute. Voilà, t'es passionné à moi. Tu n'as pas besoin forcément d'écouter. Donc, on me dit, bon, s'il en a une matière à faire, fais biologie. Et donc, ma partie à l'université de Montpellier. Parce que mon frère m'a dit, quitte ce petit cocon-là, les Gaïas, les trop Gaïas ici, avec camarades, tout cela. Vous serez plus souvent boucan canote qu'à Moufia, à l'université. On me dit, bon. Du coup, m'arrive à l'université Montpellier 2, là-bas, et dans un grand amphi, mais tu es tout seul, le seul réunionnais parmi tous ces gens. Tu ne connais pas personne, mais pas de camarades. Et là, du coup, il dit, bon, qu'est-ce que vous faites? Oui, écoute.
Et la première année était difficile parce que j'avais pas mal de lacunes accumulées pendant tout mon parcours, dont la physique, chimie, chaque fois, généralement, note d'un fond. Et donc, mon première année de DUG, donc, m'a dit, m'accroche à moi parce que m'avait parti en France sur critères sociaux. Moi, m'avais gagné des études grâce à cette aide qui est fournie par la région, le département à l'époque. Donc, c'était hyper important. Nous, en tant que créoles ici à La Réunion, nous avons cette chance, et les autres bons élèves, il y a des aides, beaucoup d'aides pour nous, donc pour les formes à nous. Donc, profite de ça. Donc, moi, je profite de ça parce que mon papa, avec quatre maramailles, étant veuf, il ne te gagne pas. Soigne-nous et paye les études, paye un appart à Montpellier, manger. Du coup, il te gagne notre timonée avec le département. Et le département, la règle, c'était si tu es redoublant encore une fois, puis de bourse et retour à la case départ à La Réunion, ben, pour faire quoi, il ne te connaît pas. Donc, c'était comme un déclic. Il m'a dit, bon, allons travailler un peu, changer un peu les méthodes, travailler plus sérieux le soir, le week-end, concentre où, sacrifier où, tout ça. Et donc, petit à petit, mal arrivé, m'a gagné le DUG, ensuite la licence. Ensuite, avec la spécialisation maîtrise, m'a choisi les filières comme tu aimes bien. Donc là, il n'y a plus ce physique, chimie, tout cela, et tout le reste que tu n'aimes pas trop. Et donc, tu as gagné de meilleures notes. Et au final, m'arrive par gagner mon doctorat, donc en 2007. Donc, un bac plus 8 en 10 ans. Le message là-dedans, c'est que chacun a son temps pour maturer. C'est comme un pied de bois, on a de fruits dessus. Hein. Tout bon fruit ne mature pas en même temps. Tout n'est pas mieux en même temps. Chacun a un degré de maturité. Donc, nous, là, moi, peut-être même, tu es un peu moins mature, mais au fur et à mesure, à l'arrivée, et avec la patience, et avec le courage, et puis travail, parce que sans travail, il n'y arrive pas. Et du coup, mal a fini par arriver à gagner mon bac plus 8, un doctorat. M'a vu la fierté de mon papa, parce qu'il y avait ni à Montpellier ou à moi. Et 10 ans avant, personne n'aurait mis un franc sur moi. C'est-à-dire, moi, ce maman-là, jamais n'aurait fait un bac plus 8. Et oui, mal arrivé. Ensuite, avec ce bac plus 8, m'avait fait un doctorat donc, en neurobiologie. Neurobiologie, c'est tout ce qui est l'étude du système nerveux, comment fonctionne le cerveau. Et moi, mon spécialité, c'est sur les sensations, comment on sent la douleur, pourquoi on perçoit la douleur, comment traiter la douleur. Et donc, l'idée pour nous, en tant que docteur, c'était maintenant faire un post-doctorat, c'est-à-dire aller acquérir de l'expérience à l'étranger. Pour ça, j'avais un rêve, c'était d'aller aux États-Unis, travailler dans les plus grands laboratoires. Parce que d'être confronté au meilleur, c'est là qu'on apprend. Un monde, s'il veut être un bon cuisinier, il se va chez les plus grands chefs. C'est là où on va apprendre. Et donc, on m'a dit, bon, envoyez des CV. Et on m'a gagné un coup de bec, comme à la pêche. Et à San Diego, là-bas, au Salk Institute, il a dit, OK, on vous recrute pendant 5 ans. Le Salk Institute, c'est en Californie. Et c'est l'un des meilleurs laboratoires, instituts de recherche au monde. Il y en a 11 prix Nobel, là, passe là-bas. Et moi, quand on arrive là-bas en tant que petit créole, méditer, ben, OK. Mais tu crois en moi, c'est ça qui fait la différence. Je me dis oui, mais il est capable et oui, mais il va arriver. Et l'autre message que je fais passer, c'est que moi, Steve, qui a eu 7 en anglais au bac, m'a vécu 6 ans aux États-Unis et m'a travaillé là-bas. Et à l'époque, quand tu dis moi, apprendre l'anglais, je me dis l'anglais, ça passait avant moi. Rien, ça, à La Réunion. Mais je pense dans mon classe, peut-être c'est peut-être moi le seul à aller aux États-Unis et d'avoir eu besoin de l'anglais. Donc, les autres, en ce moment, parfois, vous avez des matières que vous n'aimez pas trop, vous vous dites, ah, inutile, cela, mais au final, un moment ou l'autre, notre vie, on aura besoin de lui. Et donc, m'a fait mon 7 ans, 6 ans aux États-Unis, m'a publié dans les plus grands journaux scientifiques, ce qui l'a permis à moi, par la suite, de revenir à La Réunion. Donc, ensuite, m'a renié La Réunion pour des contextes familiaux, parce que malheureusement, comme tu es aux États-Unis, même tu es avec une réunionnaise, et si on est nerveuse, c'est-à-dire les problèmes du diabète sur le système nerveux qui peuvent mener donc, à l'amputation, bon problème, le pied diabétique, tout ça. Et 2019, il passe le concours avec force et conviction, et là, il est classé 7e, et il est le premier réunionnais à gagner ce concours de chercheur et être affecté à La Réunion. Le même année, il passe un autre concours pour obtenir une équipe de recherche, un jeune équipe de recherche, et aussi il obtient ce concours première fois dans les dom-toms. Et donc, actuellement, il permet à moi donc, de développer mon équipe de recherche sur ces complications du diabète ici à La Réunion. Et donc, aujourd'hui, il est parmi les autres
pour ces cordées, mais très content pour pouvoir faire partage à d'autres que ça, même lycéens, pour les autres que même si notre note n'est pas Gaïa en ce moment, il faut croire en eux. Alors, en fait, ça m'a apporté deux choses. La première, ça m'apporte quand même une connaissance un peu, alors soit généraliste ou soit une connaissance bien spécifique, parce que à un moment donné, bah, plus on avance dans les études, plus on va spécialiser. Et je trouve que ça m'a structuré. Je parle toujours de ce qu'on appelle la démarche analytique. Moi, c'est quelque chose qui me. Je suis très quelqu'un qui analyse tout, qui organise tout. Et ce cursus, en fait, la formation universitaire m'a permis, en tout cas, de me structurer. Voilà. Donc, d'un côté, m'a nourri intellectuellement, et de l'autre, m'a structuré ma pensée. Merci. Et puis, ça m'a permis de rencontrer. M'a rencontré des amis que je garde encore aujourd'hui grâce à mes études, des amis de plus de 20 ans et qui sont encore à mes côtés aujourd'hui. C'est aussi ça, l'université. Hein. Merci beaucoup, Madame Vaninckaux. Maintenant, je vais poser une question à Monsieur Steve Bourane. Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes qui nous écoutent et qui ont peut-être du mal à se projeter sur un projet d'études ou un projet professionnel? Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est suivre ce que vous aimez et ce que vous avez envie. Il faut voir aussi que le métier, moi, quand j'étais au lycée, je demandais quel métier vous faites, même au collège, maintenant, parfois, je demande, mais comment on peut savoir? C'est impossible parce que vous n'avez pas encore goûté, vous ne connaissez pas. Donc, là, l'idée aussi avec ces événements, c'est que si vous avez un métier que vous aimez ou bien une passion, allez rencontrer les gens qui travaillent dans ce domaine, posez des questions. Et parfois, ben voilà, il va convaincre ou parfois non, on va dire oh, ben peut-être le métier n'est pas fait pour moi. Parce que c'est souvent les métiers où ça fait ça toute vie, le matin, il faut lève, il faut un courage pour aller. Donc, si c'est un truc que vous ne faites pas ou bien vous faites juste pour gagner l'argent, ben, un moment ou l'autre, où, voilà, c'est hyper difficile. Donc, moi, le conseil mis à Zot, c'est suivre ce que vous aimez. Et voilà, et même si les autres personnes ils disent non, on fait ça, fait ci, suivre ce que vous cueillez des autres. Et quand vous suivez votre cœur, n'a pas rien arrêté à vous. Et c'est là que tout y ressort, c'est-à-dire croire en vous. C'est ça, croire en soi. Et c'est le message, c'est l'accorder. Il faut croire en autres et suivre ce que vous avez envie, me dire. Envie de faire. Merci beaucoup, Monsieur Bourane. Maintenant, je vais poser la même question à Madame Olivia Morel. Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes qui nous écoutent et qui ont peur du mal à se projeter sur un projet d'études ou un projet professionnel? Alors, déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a le droit de se tromper. Et je pense que pour pouvoir mûrir son idée, mûrir le métier qu'on va exercer demain, ben, des fois, il faut essayer aussi. Donc, c'est pas grave de se lancer dans une filière, de se dire, ben, je vais faire ça. Moi, je suis allée en biologie, je me suis dit que c'est peut-être pas mal, et puis finalement, c'était pas fait pour moi. Donc, c'est pas grave de se tromper, et au contraire, je pense qu'il faut essayer, il faut aller au contact, en fait, des parcours, enfin, des formations, pour essayer, se dire, ok, ben, j'y suis allée, ça me plaît, ça me plaît pas, et puis ça aide, et ça vous aide aussi, ça vous guide à choisir, à affiner en fait le chemin. Et en tout cas, enfin, faut se dire qu'on est sur un chemin et que c'est jamais fini. Donc c'est important d'essayer, de peut-être échouer ou ne pas réussir, et puis de retenter autre chose. C'est aussi ça, oser, c'est d'avancer, d'essayer de faire des choses quand même. C'est tomber et se relever surtout à chaque fois. C'est jamais rétatéré. Et dernière question, ce sera pour Monsieur Guillaume Savigny. Qu'est-ce que l'enseignement supérieur vous a apporté dans votre construction personnelle et professionnelle? Alors l'enseignement supérieur, déjà, c'est aussi l'aventure avec les gens qu'on rencontre, qui ont aussi des difficultés, qui nous les partagent. Ça permet aussi d'avoir une belle ouverture d'esprit dans sa vie personnelle après. Parce que souvent, avant de commencer les études, on croit avoir beaucoup de connaissances, etc. Et finalement, c'est en apprenant, en sachant que la théorie peut nous emmener loin, qu'on voit que finalement, on connaît pas grand-chose et que ça éveille notre curiosité. Et du coup, on a envie d'en apprendre davantage. C'est intéressant. Surtout, ce qui est bien, c'est de pas s'arrêter en fait à la formation et de continuer à apprendre même après les études. Donc c'est une démarche pour moi, les diplômes, l'enseignement, c'est plutôt une démarche de savoir apprendre, pas forcément d'apprendre à un moment T, mais plutôt de se structurer pour la suite et de se donner des méthodes en fait, voilà. De se donner des méthodes d'apprentissage tout au long de sa vie.
Merci beaucoup, Monsieur Savigny. Maintenant, on va donner la parole aux élèves, hein, aux lycéens qui sont avec nous en visio. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, c'est le moment, vous pouvez poser vos questions. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, on vous écoute. Après, il faut vraiment que quelqu'un ait envie de prendre la parole. Hein, donc, tu veux causer, lève la main. Non, ben, c'est ça, bataille pas, hein. J'ai vu une personne se lever. Ah, ben j'ai vu une personne se lever, je pense qu'elle va prendre la parole. On vous écoute. Peut-être la personne de la roue assise aussi, je ne m'y connais pas. Pas vu. Vous n'avez pas des questions? Moi, je suis sûr qu'il y a des questions. Obligatoirement, vous avez des questions, vous demandez, voilà, peut-être quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais, de pouvoir poser vos questions. Il faut oser, c'est le moment. C'est le moment. Oui, mais de toute façon, nous est là pour ça. Hein. Exactement. Donc, pas besoin de la honte. Hein. Nous mangeons pas personne. Et... Après, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un intervenant dans un des lycées qui veut prendre la parole. Sinon, un chef d'établissement qui voudrait passer un petit message. Tout le monde est gardé hier. Il n'y a pas personne derrière. Non, non. Personne ne veut prendre la parole? Attention, à du j'ai vendu, hein. N'a plus après, hein. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lever depuis tout à l'heure derrière là-bas. Et on dit, m'a envie d'aller. Mais connais pas c'est quel lycée, m'y crois, c'est le lycée. Attends, mieux ça, t'as là, on l'a vu. Lycée Sainte-Anne, ça de Sainte-Anne, Marie Curie. Marie Curie, il y a quelqu'un qui veut se lever à chaque fois, mais qui n'ose pas. Donc, vas-y, lance-toi. On t'écoute. C'est parti. C'est ton moment. Vas-y. Ah, voilà. Vous avez vu? Vas-y, où ça? T'es sûr? T'es sûr? Alors, on t'entend pas, mais t'inquiète, on fait le nécessaire. Reste là. Recouvre pas derrière. Hein. Reste là. Un petit problème technique, mais ça va se résoudre. Donc voilà, on ne va pas s'effacer directement par le PC, je pense. Elle va poser sa question et je pense que vous pouvez, chacun d'entre vous, donner une réponse différente. Vous m'entendez ? On vous entend. Si tu peux te présenter, si ça ne te dérange pas, bonjour. Bonjour, je m'appelle Aïcha, je suis intervenante de l'université. J'avais pas de questions éventuellement, mais je voulais remercier les intervenants par rapport à leur témoignage et tout. Moi-même, je viens de valider ma licence en information et communication à l'université et je souhaite faire mon master en métropole. Bon, même avec les circonstances actuelles, j'ai repoussé mon master par rapport à ça, mais l'envie est toujours là. Et j'aimerais revenir sur ce qu'ils ont dit. Je répète toujours pendant les interventions que quand ils vont faire leur choix, éventuellement faire un choix personnel, on peut écouter les conseils, mais le choix final est à nous. Parce que celui qui va se retrouver sur le banc l'université, ben c'est nous. Les notes, ce sera nos notes à nous. Du coup, voilà, j'avais pas de questions, je voulais juste les remercier et voilà. Ben merci beaucoup Aïcha, merci pour ton intervention parce que tu peux pas booster un petit peu les élèves derrière là, Azote, pas besoin de la honte, viens Azote, inquiète pas. Parce que ouais. En fait, si Banal a bien vu, nous n'a un écran, enfin nous n'est pas au même endroit, donc ça va être difficile pour moi de manger Azote. Ça ne va pas être possible. Donc, n'hésitez pas si jamais. Voilà. Parce que moi, je lance un dernier appel. Sinon, voilà, c'est votre dernière chance. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole maintenant?
J'ai l'impression de ça jusqu'à demain, moi. Jusqu'à demain. En tout cas, on vous remercie. Merci déjà d'être là aux lycéens. C'est déjà d'être là, d'écouter et d'entendre tout ce que ces personnes racontent et disent pour vous motiver justement à choisir ce parcours. Parce que le parcours, à ma vue, il a des embûches pour chacun d'entre eux. Il a eu des embûches, il a eu plein de choses difficiles, mais il n'a pas empêché de réussir. Et c'est ça le point positif que m'y retient. Et moi, j'aimerais justement, pour être un petit peu dans un ton un peu plus léger, pose à une question, commencée par Olivia Morel. Plus légèrement, hein, quel est votre meilleur souvenir en tant qu'étudiante? Attention, dis-moi la fête, hein, attention, mais ne veux pas entendre ça, hein, non, parce que banane, non. Mon meilleur souvenir d'étudiante? Alors oui, j'ai forcément... un peu la fête, parce que c'est vraiment les premières choses en tant qu'étudiant quand on arrive à la fac. Voilà, c'est un peu le truc. Après, moi, ce serait plutôt les rencontres. C'est d'avoir rencontré des gens qui sont toujours dans ma vie aujourd'hui, en fait. Voilà, des gens, des affinités qu'on crée avec des gens, même si après nos chemins se séparent parce qu'on n'a pas tous les mêmes parcours de vie. Mais voilà, c'est d'avoir rencontré des gens qui sont toujours dans ma vie aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je vais poser la même question à M. Guillaume Savigny. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'étudiant? Alors moi, les meilleurs souvenirs, c'est les veilles d'examen. Les veilles d'examen, surtout les oraux, parce qu'il y a une espèce de stress qui est partagé avec tous ses amis, etc. Ça fait une espèce d'émulation d'être tous dans une même galère, etc. Et dès qu'on a fini de passer ces oraux, ces examens, et qu'on se retrouve, il y a un sentiment de soulagement qui a un marqueur émotionnel que voilà, je m'en souviens, ça fait quelque chose. Voilà, c'est ces moments-là que j'ai beaucoup aimé. Et que j'aurai encore, j'espère, si je fais d'autres diplômes. Les gros moments de stress, quoi, juste avant les examens. Ouais, ça, ouais, ouais. Ah ouais, ça, c'est, mais ils pensent que PSA n'y oublie pas. Le soulagement qui arrive derrière. Après, oui, ça, c'est exactement. Quand on a le diplôme, quand on a terminé, c'est sûr qu'après, on est fier de nous. Et justement, je vais poser la même question. Voilà, je vais poser la même question à Mme Valincourt. Votre meilleur souvenir en tant qu'étudiante? Bon, eh ben, en fait, ma largue est en créole. Parce qu'on m'a dit bien la rivière Saint-Louis, maintenant ma largue en créole. Même si Talon disait que c'était la fête, etc., il rebondit sur ce que monsieur, parce que le parcours de monsieur Bourane, il fait mon écho aussi. Vous connaissez quoi, le meilleur souvenir, parce que moi, pareil, m'a perdu ma maman très jeune et m'a été élevée par mon papa. C'était systématiquement, comme il gagnait mes diplômes, de voir la fierté dans ses yeux. Il me rappelle en dernière année d'études, dire à papa, ben voilà, m'a réussi. C'est ben, via la fierté d'autre papa, ben, c'est juste, moi, c'est mon meilleur souvenir. Voilà, c'est vraiment ce qui restera dans ma tête. C'est sûr. C'est sûr que faire des études pour nous personnellement, c'est bien, mais voir la fierté de nos parents qui ont trimé justement pour qu'on grandisse, pour qu'on étudie. Donc ça, c'est vraiment une fierté. Et la même question pour M. Bourane. Donc, moi, je vais être allé de souvenirs, je dirais, mais probablement l'un des plus marquants, c'est quand on a obtenu mon doctorat, bac plus 8, au bout de 3 ans de travaux de recherche, je dirais. Mais quand mon papa l'a nié, là, écoute, pendant 45 minutes, ma présentation de thèse, et encore une fois, de voir la fierté dans son yeux et de se dire, ce petit bug planté de Cannes avec Katma Amain, Nanaen, là où il arrive, va faire un doctorat, un bac plus 8. Après, on a d'autres plein de souvenirs. À Montpellier, il avait l'association des étudiants réunionnais de Montpellier. À un moment, t'es président. C'est ça aussi, c'est la rencontre, le fait. Voilà, moi, c'est un parcours où ça m'a fait à Montpellier, à l'étranger, en France. Et la rencontre des gens grâce à l'association de Saint-Pierre, Tampon, un peu partout, et le Baume Créole, tout te retrouve à nous, on est solidaires, on te râle le roulet, on te met ça sur la place à Comédie Montpellier, là-bas, on te joue Maloya. Le 20 décembre, une femme me rappelle, m'a joué sous le sapin, t'es fait frais, mais le cœur, t'es là. Et donc, d'en être allé de souvenirs comme ça. Et jusqu'à maintenant, tous les gens m'a rencontré, elle est toujours amie avec, quoi. Et donc, elle est vraiment super. Là, un message, tu veux dire aussi par rapport à l'université. Du lycée à l'université, en fin de compte, le lycée, il est très cadré. Donc, il y a un cadre bien précis. Et quand tu arrives à l'université, tu les largues un peu, c'est la liberté. Et donc, là, c'est ça, il faut faire très attention. C'est que cette liberté-là peut être dangereuse. C'est-à-dire, il faut que tu maîtrises les.
vous arrivez à donc à jauger cette liberté, mais et penser aussi qu'il faut travailler. Et donc, cette autonomie à développer, il faut développer cette autonomie de travail, de soi, d'automotivation, je dirais. Parce que je n'aurai plus professeur pour faire l'appel tous les matins, qu'on vient, pas personne, ça part en notre compte. Donc, c'est ça aussi qu'il faut faire attention, d'être autonome très rapidement à l'université pour pouvoir gravir ces échelons. En tout cas, ben merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour vos interventions. Merci à Madame Valincourt, merci à Monsieur Savigny, merci à Madame Morel et Monsieur Bourhan pour votre partage avec nous. Maintenant, on va voir une vidéo d'un diplôme universitaire de cycle préparatoire aux études supérieures et à l'insertion professionnelle. C'est parti. Le profil type, c'est le jeune qui a eu par exemple son bac et qui a du mal à retrouver une suite. Là, le CPSIP permet à ces jeunes de pouvoir préparer leur projet pendant 12 mois chez nous et affiner justement leur projet professionnel. Alors, un étudiant qui s'inscrit au CPSIP en groupe généraliste va revoir toutes les bases qui lui ont manqué auparavant, donc en français, en mathématiques, en anglais, en histoire géo. Il va aussi découvrir des matières un peu différentes, du genre expression théâtrale, il y aura bien sûr du sport, il y aura des cours de confiance en soi, de développement personnel, et il sera aussi accompagné dans sa recherche de stage. Donc en gros, l'année, elle est découpée en deux parties au CPSIP. La première partie, je construis mon projet, la deuxième partie, j'ai des cours un peu plus spécifiques qui sont dans le domaine qui m'intéresse. J'étais en STAPS l'année dernière, mais ça s'est plutôt mal passé. Et du coup, je cherchais une porte de sortie. Et le CPSIP, c'était ce qui me convenait le mieux. Je suis arrivé ici parce que j'avais pas de place dans mon école de vétérinaire. Donc, je suis venu en CPSIP. J'étais sur Parcoursup et une amie à moi m'a parlé du CPSIP. Et c'est comme ça que je l'ai découvert et c'est pour ça que je suis à l'université ici. Grâce au CPSIP, j'ai pu reprendre confiance en moi et j'ai pu déterminer mon choix professionnel. Ce qui m'a plu ici, c'est qu'il n'y a pas la barrière comme lycée entre les profs et les élèves. Alors, ce que j'apprécie, c'est l'autonomie et surtout que les professeurs sont là pour nous et nous aider, on n'est pas seuls. Grâce au CPSIP, l'année prochaine, je vais préparer le brevet professionnel de préparatrice en pharmacie. Je vais pouvoir accéder à une école d'auxiliaire vétérinaire. Je vais faire une licence pour pouvoir ensuite faire professeur des écoles. Je vais suivre la formation pour devenir éducateur sportif en BPJEPS à Saint-Denis. Voilà, mesdames et messieurs. Pour finir, pour clôturer cette belle émission, j'espère que vous avez passé un très beau moment. J'aimerais voir avec les étudiants, ils ont eu des petits goodies, j'aimerais que vous les levez en l'air comme ça, et que déjà, si Zotik lève les bras et applaudir à Zot, parce que Zot est là aujourd'hui, déjà, c'est très très bien. Applaudis à Zot, s'il vous plaît. Allez, on applaudit. Super. Bravo à Zot. Et j'ai vu que Aïcha est partie chercher les goodies, je crois, non ? J'ai vu Aïcha pas la couru trapper. Voilà. C'est bien, voilà. Ah, mais il fallait donner avant, Aïcha, hein. Attention, hein. La prochaine fois, voilà. Normalement, si ça te pose des questions, Monsieur Bourhan, dis-moi si ça te pose des questions, t'es gagné des cadeaux. Je vois trop de cadeaux distribués, là. Normalement, Aïcha, prends tout pour toi, hein. Voilà. Et pour finir, justement, comme je vous disais, pour clôturer, on aimerait remercier les équipes techniques, les équipes de communication de la préfecture et du rectorat, les témoins venus témoigner devant nous pour donner leur ressenti et leur parcours. Merci à vous. Merci à la réalisation et merci à toute l'équipe qui a participé à cette matinée. Et en tout cas, j'aimerais juste, pour finir, que tout le monde vous applaudisse très très fort. Et moi, je souhaite à tous ces lycéens de trouver le parcours qui lui convient. Et tiens, beau lag, pas.
Si elle vous la raque pas, et applaudis à Zot. En tout cas, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. On ne sait pas si ce sera en visio ou en présentiel, on ne sait pas. Et on vous dit bon parcours à vous. Et on retrouve ça. Allez, bye bye.